papa, il va Est-ce regarder que la t'es course. là? Ah, j'ai pas regardé, tiens, si t'étais dans le... Non, t'es pas avec moi. Ah non. J'ai le dossard numéro 16. Tu vois, mon ping, il est pas bon, il est à 158. Et moi, il a combien, mon ping, 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 pong? C'est ça que ça Moi, blink. il a 91, le mien. Mais tu vois, il y en a, ils ont des pings de 183 et c'est pas bon. Bon, bah allez, qualif, mon gars. Parti. C'est parti, mon poule. Bonne qualif, prudent. À toi aussi, mon. Encaisse le premier tour, mais après, à tout dans le deuxième. C'est ça. DJ va débarquer à dire: alors les gros, vous roulez sans moi? Bande d'enfoirés. Tête de mort. Ah, ça vient de charger mon skin Bastos Fina. Green flag, green flag. Là, on est parti, premier tour qualif. Hop là, léger décrochage à la source. C'était chaud là dans Blanche Montre. Mmh.
218.1. On est en pôle pour le moment, 218.1. De 18.7, mais je suis sorti une roue, putain. Je viens de faire un 2.18.1 et pour le moment, je suis en pôle. C'est bien. De 17.9. De 18.5. De 17.9. Oh punaise. Je suis premier, je suis en pôle. Pour le moment. P9. Je suis en pôle. De 18.5. Je fais 2.17.958 et le deuxième il fait 2.17.975. Oh putain. Ah non, ça y en a un qui vient de faire 2.17.7. Deuxième. Et il reste 28 secondes. À combien t'as dit toi t'étais 2.17.9. 2.17.9, j'en ai deux à 2.17.9, c'est le 3 et le 4. Ouais, t'es dans un sinon... speed. T'es dans un speed plus haut que moi, c'est ça qu'il y a. Le premier, il est en 2.17.3. T'as plus de rating que moi. Ouais, j'en ai perdu encore. Je suis passé en dessous des 2000. Ouais, bah bon, je m'en fous maintenant. Je m'en fous. Je veux juste chercher la sécure maintenant. Moi, je roule. C'est simplement. Le plaisir. Je veux juste me faire plaisir. Le reste, le rating, c'est pas grave. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Ce jeu. P10, il y en a beaucoup derrière moi. On est 28. Je suis bien. Je suis P2. Je vais me battre pour un top 10. Je vais juste. Oh, il y a que de la BM devant moi. Ouais, je crois que. Ah. Tu peux. 1000 setup. Hein. 35 litres. Voilà, 35 litres. Nice. Pas de tear-off. Et alors, les pneus, on les décoche. Tac, 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 et tac. Et on touche plus au setup. Ouais, 2.17.7 et c'est en 2.17.7 que j'ai roulé tantôt. Allez, ouais, je suis bien. 1 minute 3 avant le départ. Je vois pas c'est quoi comme voiture. Tu sais où est le départ? Moi, je suis entouré de BM. Tu sais où est le départ? Le départ en VRS, c'est comme la nous. Là, je me rappelle passer la ligne. Là. C'est avant le rouge. Je pense que c'est avant le rouge. Ouais. Ouais. Après, c'est peut-être avant la source. Hein. Je sais pas. Ah, on verra de toute façon.
toute façon, le safety car, il s'enlève là. Le safety car, il s'enlève déjà. Il faut juste faire attention au feu vert. Ouais, moi, je suis entouré de Lambo, en fait. Moi, je suis entouré de BM. Une Lambo à ma droite, puis à moi. Et puis une Lambo derrière, une Lambo de l'autre côté. Et puis une Ferrari et une BM. Il y a deux BM et trois Lambo et une Ferrari. Après, les trois premiers, on a mis une danse au quatrième. Hein. On lui met 6 dixièmes en qualif. Allez, on est parti. Safety car, il veut pas partir. Ça y est. Catch the pace car. Le premier se met déjà dans l'herbe. Il a arrêté. Quel con. Bon. Je me retrouve tout seul. Il est au pit. Le départ, il est avant en rouge. Il est avant en rouge? Oui. T'es dans la source, toi? Ouais, là je suis à la source. C'est bon, j'ai tenu la cabane. J'ai passé la ligne sans aucune. Oh, le turbo de ses mains. Still there, hold your line. Clear. Je viens de me battre avec une Lambo là au comble, c'était chaud. On était côte à côte au comble. C'est tout bon pour moi, ça, ils se battent derrière. Je suis en train de les enlever de mon aspiration. C'est excellent. Plus ils sont en train de se battre. Allez, on a pris 2 secondes d'avance là. 2 minutes 3.808. Ouais, ça se bat comme des chiffonniers, c'est ma chance ça.
18.142. Je viens de faire 2-18-1 en course. T'en sors toi, Louis? Ouais, nickel, je suis P9 pour l'instant. Là, je défends ma position au comble. Le gars avec la Lambo là-bas, il a une de cette vitesse de pointe. Putain, la Lambo elle avance. Hein. Les Italiens, je sais pas ce qu'ils ont mis dans le moteur, des pasta, mais elles sont al dente, je te le dis. Hein. Je sais pas d'où vient le taureau. Mais il marche. Ou il a moins de sens que moi, ou c'est une fusée. Pour me suivre ainsi, il doit tourner en 2-17. Hein. D'ailleurs, je vais être très intelligent. S'il revient, je lutte pas, je me cale derrière lui. Et après, on verra qui est le meilleur de nuit, mon grand. Et moi, c'est la première course avec la BM. Donc, on prend l'expérience avec. Mais elle marche, hein, la BM. Tout régulier en 2-18. Il n'y a pas de caravane derrière hein, chez les Allemands. Pied dedans dans Blanchimont.
Ouais, y a du niveau. Il a du niveau, le gars, la lambeau derrière. C'est pas un couillu. Il sait ce qu'il fait, le garçon. Hein. J'ai ma connexion qui foire. Ça y est, c'est restabilisé. On a failli me prendre le cul là. J'ai pris un x4 pour rien. Moi, j'ai vu les bagnoles sauter et ma connexion à la maison elle est pas stable, elle pourrit. Encore une fois. Va Proximus de merde. Mon dernier temps, c'est même pas indiqué. Ouais, lui et moi on s'amuse, hein. Il n'y a plus de concurrence derrière, ils sont à 6 secondes. On met tous les autres d'accord. Même 7 secondes et demie maintenant. Thank you.
Il y a toujours deux extraterrestres dans la course, et pour une fois, c'est lui et moi. Je cours jamais en VRS. Et je cours jamais, quasiment jamais en GT3, c'est pas ma catégorie préférée. Je préfère le LMP nettement. Il me fait des appels de phare, le garçon. Si tu crois que ça me gêne, faudra que tu repasses. Tu es bien trop expérimenté pour céder à ce genre de choses. Tu peux continuer, pas de problème. Au moins, Lambeau fait des lampes. Et si tu crois que tu me mets sous pression avec ça, tu pourras aller manger des frites à Charleroi. Didier dirait, en réel, je descends de ma voiture et je lui lance mon casque. Je viens de faire des 24 heures de flashlight, j'en ai eu petit. Hein. Et si t'étais intelligent, ça peut jouer au pit la victoire. Ouais, il fait des appels de phare, celui qui a failli sortir, Aurélien. Allez, vas-y. En tout cas, il a un manque de goût. Hein, c'est fini, gros, c'est fini. Quoi, t'es fini? Coach 22, fils de pute de coach 22, de mes couilles qui est en travers. Et voilà, c'est fini. J'adore, il a mis Alpine sur la Lambo. Et un léger manque de goût, le garçon. Ou c'est de l'ironie.
J'en ai plein le cul, sérieux. Allez, ciao, bye bye. Ciao. Ciao. La Lambo, elle a une putain de vitesse de pointe. Hein. Ciao, ciao. Je sais pas où ils vont chercher ça. T'es parti, Lou? Ah ouais, il est parti. Une Lamborghini Alpine. Allez, on va lui mettre des appels de phare. Bonjour. Attends, Matt, parce que je suis en pleine bagarre avec une Alpine. Ah, excuse-moi. Enfin, une Alpine Lamborghini, c'est. À mon tour de te mettre des flashlights, mon gars. À mon avis, il prend des X, le garçon, hein. Elle a une de ses accélérations, la Lambo, et une de ses vitesses de pointe, c'est hallucinant. Tu vois comme c'est gai d'avoir des flashs avant le rayon, garçon. Ah, le cours des X pour lui là, il est vraiment très large.
2 minutes 18.456. You have about one lap of fuel left. Ensuite, c'est trop. Chipotant ma consommation de sens. Il reste un quart d'heure, Louis. 30 litres, c'est trop. The lead is pitting now. Au moins 38, c'est trop. Bon, on n'a plus qu'à assurer la deuxième place là. Moins que le gars à la Lambo se pète devant, il est beaucoup plus rapide. En plus, c'est un deuxième compte, donc ça veut dire que c'est un pilote qui a beaucoup plus de rating qu'il ne le fait sentir là. Il protège son premier compte parce qu'il a un rating certainement à 7-8 000. Et il vient gagner des courses.
avec son deuxième compte où il y a moins de rating parce qu'il n'est pas capable d'en gagner une avec 7000 de rating. Il n'a clairement pas le niveau, hein, si j'arrive à le tenir à moins de 2 secondes, c'est que à 5000 ou 7000, il ne doit pas gagner de course. Il y a beaucoup de pilotes qui font ça, hein, qui vont chercher les 5000, 6000, 7000 de rating et après ils créent un deuxième compte avec iRacing. Comme ça, ils peuvent participer à des gros championnats avec leur licence pro. Et ensuite, ils viennent avec leur deuxième compte piloter pour s'amuser. Ah bon, première course avec la BM, deuxième. La course n'est pas finie. Il reste 8 minutes de course, 4 tours. Alors que ça s'envoie des politesses là-bas au-dessus. A mon avis, Jürgen s'est fait percuter vu le nombre de fengs qu'il met. Ça doit pas être des merci gentils. Il y a beaucoup le bruit de la BMM quand on rétrograde, ça pétarade derrière. Soyez attentifs quand on freine, ça fait vraiment un beau son. Il doit y avoir des flammes hein, quand à l'échappement.
Ouais, Adrien et moi, on était les deux extraterrestres de la course. On a mis les autres à plus de 17 secondes. Au moins, il reste encore un tour après. Flag. One more lap to go. Allez, drapeau blanc, dernier tour. 2 minutes. 19.232. White flag.
on aura fait une course propre, hein. 2x sur 17, on va prendre du rating, du safety. On n'aura pas fait une mauvaise course. Devant, il était plus rapide, hein, avec sa Lambo Alpine. Les gens, ils vont me prendre pour un fou. Qu'est-ce qu'il raconte, Lambo Alpine? Le taureau était lâché. La nouvelle première course en BM. Pas mal, deuxième. Quand il y a plus fort que soi, il faut le dire. Et là, il était plus rapide avec la Lambo. Au niveau de l'essence, on était bon, hein. Je pouvais pas faire un tour de plus. Ouais, dernier bus stop. Et après cette course, je veux plus voir Francorchamps jusque samedi prochain. Et voilà. Et voilà, on fait P2. Là, ça, on va stopper la voiture ici. On ne saura pas aller faire le tour complet. Calculer en sprint, hein, pour le minimum d'essence possible. Et voilà. On fait une P2. Bien mérité. Bien mérité. On va aller chercher du rating, du safety rating. Bijou Albal, gamin. Bijou Albal. Allez, c'est ici que je vais arrêter mon live. Je crois que j'aurai fait 2h30 de live sur Facebook. Ce sera bien amusé. On aura testé toutes les GT3. D'ailleurs, il m'envoie un message. Je vais lui répondre, Adrian. Il me dit good job. Et il me dit combien il lui restait. Et je lui indique 0,8. Alors, je lui ai indiqué. Je lui ai indiqué 0,8 aussi. Il est en train de me parler en anglais. My great race, you are fast. On s'est bien marré, on s'est pas battu avec lui. Il était beaucoup plus fort, hein, beaucoup plus rapide. Meilleure vitesse de pointe aussi de la Lambo, hallucinante. Franchement, si moi je vais chercher 260 avec la BM, lui avec la Lambo, il est facilement à la SPI à 263, 264, et ça joue beaucoup. D'ailleurs, il le dit, hein. Je lui ai mis bonne course. Il a mis toi aussi, et tu es beaucoup plus clean que moi. J'ai fait que 3x. Lui, je sais pas combien il en a fait. On verra tantôt. Je lui mets have a nice day. Et c'est bon. Voilà comment on se fait des amis dans iRacing. On roule safe, on roule calme. Et après, on se parle entre premiers. On a deux aliens, hein, ici dans la course. Voilà, il m'a dit au revoir aussi. Hop là. Et on est parti voir le classement. On va regarder si on a pris comme ça. Vous verrez tout ce que je fais après une course, hein. Aussi, par la même occasion, je vais voir le classement. Le classement est ici.
Hop, course de 6 heures. On prend 0,5. Voilà, on prend 0,5 de safety rating. Donc, on monte à 4,65. Et on prend 86 d'e-rating pour cette course. Pas mal, hein, pour du VRS. Donc, vous voyez, j'ai fini à moins d'une seconde 5 de lui. Mon meilleur tour est en 2,18,142. Et lui, il a tourné en 2,17,846. Voilà, j'ai fait 3 incidents, il en a fait 9. Ah, c'est un Français, Adrien. Je pensais que c'était un Anglais. On se parlait anglais tous les deux, alors que c'est un Français. Moi, je pensais que c'était Adrien Gay. C'était un Français. Non, en anglais, mais non, c'est un Français. Comme quoi, on se parle anglais alors qu'on est francophone. Ensuite, troisième, c'est une Ferrari. Quatrième, une Ferrari. Cinquième, une Ferrari. Sixième, une BM. Septième, une Mercedes. Huitième, une McLaren. C'est bien, il y avait. Neuvième, qu'est-ce qu'on retrouve? Une Porsche, ouais. De nouveau, une Ferrari. Et une Ferrari. Ça prouve bien que toutes les marques sont représentées, hein, dans cette course. C'est vraiment bien. Allez, voilà. Comme ça, vous avez vu où on en est après une course. Et c'est ici qu'on va arrêter le live. Moi, je vous dis à bientôt, les gars. Et bonne fin de journée à vous tous. Ciao, ciao, les amis.